Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour le taroscope du mois de janvier 2016 pour les personnes qui sont Verseau et ascendant Verseau. Alors, je n'ai pas pu réaliser les taroscopes pendant un petit moment pour des raisons de santé, mais en tout cas, je suis de retour pour ce nouveau cycle. Donc c'est une nouvelle année qui commence, un nouveau départ, tout simplement. Là on est dans les derniers jours de 2015, l'énergie de 2016 est déjà là, elle frappe à notre porte et espérons que cette année de nombreuses personnes vont enfin trouver leur mission de vie et vont se sentir plus en accord en fait avec les énergies de la Terre. Pour rappel, comme d'habitude, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certaines personnes vont totalement s'identifier à ces énergies-là, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être moins marqués. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com pour toute information complémentaire ou demande de consultation privée. Pour ce tirage, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. C'est une lecture qui va être plutôt spirituelle, qui va être ramenée sur le côté relationnel, le côté humain. C'est ainsi que je ressens la vibration de ce mois de janvier 2016. Ce ne sera peut-être pas le cas pour les autres taroscopes. Vous savez que j'aime bien changer les jeux aussi de temps en temps, ça fait du bien. Donc, pour les personnes qui sont Verseau et ascendant Verseau, ce mois de janvier 2016 va être axé sur le lâcher-prise. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être plus attentif aux signes qui vous sont envoyés, amis Verseau. Le Verseau vit, alors le côté je vis essentiellement dans ma tête, oui, ça va être bien pour vous, parce que vous, chez vous, en fait, les objectifs sont plutôt bien définis. On a quand même une grande place qui est laissée à l'imagination, mais sinon, globalement, le Verseau a cette capacité à se reconnecter, à se brancher, une intuition qui est extrêmement forte. Mais là, on va vous demander d'ouvrir les yeux, en fait. On va vous demander, amis Verseau, d'être attentif à l'univers, à l'environnement qui est autour de vous et d'être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. La bonne question, en fait, à vous poser, c'est qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Et d'essayer de trouver les réponses. De toute façon, les réponses vont vous être proposées, elles sont là. Seulement, il faut avoir la possibilité de sortir de sa tête, de sortir de sa propre conception des choses pour aller à la rencontre de l'inconnu, ami Verseau. Et de l'inconnu, vous allez en avoir et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez être, ami Verseau, totalement co-créateur pendant ce mois de janvier 2016. Ça va être extrêmement intéressant. Ça va être très très intéressant. À la fin du mois, on va commencer à rentrer dans l'énergie même du Verseau. Et là, il se pourrait qu'il y ait des choses extrêmement fortes qui se produisent. On va avoir des bouleversements à la fin de ce mois-ci pour les Verseaux et ascendants Verseau. Je vous garantis que ça va être absolument décapant. Donc, on va reprendre. Donc, première semaine, pour cette première semaine de janvier 2016, amis Verseau et ascendant Verseau, vous allez être dans une énergie de guérison. Certains d'entre vous ont vécu, ou alors vont vivre là sur les derniers jours de 2015, quelque chose de très fort sur le plan émotionnel. Il peut s'agir d'une rupture, il peut s'agir d'un burn-out, il peut s'agir... Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Ça peut être mal vécu pour les Verseaux qui ont eu l'intuition. Il y a déjà plusieurs mois, donc quand on était encore sur les énergies de 2015, certains Verseaux et ascendants Verseaux ont eu l'intuition qu'il fallait changer leur fusil d'épaule, ne l'ont pas fait. Là, ça va se précipiter. Entre la fin 2015 et la première semaine de janvier, là, ça va être absolument une énergie de fond. C'est comme une vague, une lame de fond. Certains Verseaux risquent de perdre les pédales, d'être soumis à un stress extrêmement intense, d'être très très angoissé, d'avoir le sommeil qui va être perturbé, d'avoir peut-être même l'impression pour certains aussi de devenir fou, de perdre complètement le contrôle. Là, ça va être, vous n'allez pas réussir à tenir les rênes, hein. Vous allez avoir l'impression d'être comme sur un cheval fou.
de ne plus savoir exactement où vous allez. Et bah, finalement, c'est quelque chose qui est quand même positif. C'est une tempête, mais c'est juste une tempête, hein. C'est pas quelque chose qui va s'étaler dans la durée. C'est une tempête qui va amener l'énergie de la seconde semaine, qui est la loi spirituelle de l'attraction. Qui est le focus également qu'on vous demande de garder malgré tout. Donc, cette tempête est quand même une bonne nouvelle, amis Verseau. On va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous peut-être déclenchent des maladies, ou alors est vraiment... On va vous pousser à bout, en fait, amis Verseau, mais c'est pour votre bien. C'est pour enclencher derrière une mission de vie. Pour les Verseaux qui sont déjà dans leur mission de vie, qui ont déjà entamé les changements qu'ils savaient nécessaires sur 2015, eh bien la vague va passer beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de comment dire, et vous aurez beaucoup plus de sourire en fait. Là pour les autres Verseaux qui ont fait preuve de résistance, l'univers va briser en fait littéralement toutes vos barrières, va briser toutes vos résistances et il va y avoir un passage en force pour certains. Vous allez avoir l'impression de tout perdre, hein. Vous allez avoir cette impression de tout perdre, mais ce sera pour mieux reconstruire après. Ceux qui vont tout perdre d'un coup vont aussitôt après avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter. C'est pour ça qu'on vous dit de garder les yeux ouverts, de rester concentré sur les opportunités et d'utiliser votre magie. Prenez conscience de ça, prenez conscience que tout est changement dans la vie. Amis Verseau, on ne peut pas empêcher le changement, c'est la seule constance qui soit en fait dans notre univers. Le changement est obligatoire, il est nécessaire. Donc loi spirituelle de l'attraction, focalisez-vous là maintenant, faites un travail, focalisez-vous sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez atteindre, mais en restant ouvert en fait. L'univers va vous imposer certaines choses et il faudra savoir les accueillir et les remercier pour les leçons qu'elles vont vous apprendre. Il se pourrait que certains d'entre vous voient des relations sur lesquelles ils avaient misé énormément, sur lesquelles ils avaient investi énormément de temps, d'énergie, d'argent, voler en éclats. Vous allez avoir des personnes qui vont révéler leur vrai visage, donc qui vont complètement disparaître de votre existence, qui vont sortir complètement de votre sphère sociale, mais en même temps, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont se présenter, qui vont un petit peu tomber du ciel et qui seront là pour vous aider. Et donc, il va y avoir beaucoup de remue-ménage là, pour les deux premières semaines de janvier 2016. Pour moi, c'est une énergie qui est pétillante, c'est une énergie qui est dynamique, c'est l'énergie du renouveau, mais a vraiment une lame de fond. Et le message que vous n'avez pas voulu suivre, que vous n'avez pas voulu écouter, ou que vous n'avez pas pu aussi par moment appliquer, eh bien, il va s'imposer à vous, mais ce n'est que pour le mieux, en fait. C'est pour mieux préparer la suite de 2016. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous sont fidèles, de personnes que vous connaissez depuis longtemps. Parce que ça, pour certains d'entre vous, ça ne va pas être facile d'encaisser le choc et de prendre le recul nécessaire pour vous dire bon, là pour l'instant je suis au creux de la vague, mais demain ça ira mieux, demain est un autre jour. Sur la troisième semaine, donc c'est en fait le même message qui est confirmé, hein, c'est de choisir la paix, de lâcher prise et de prendre les choses en main. Donc lâcher prise et prendre les choses en main, ça peut paraître être un message contradictoire, mais en fait non. Ça veut juste dire, ouvrez les yeux. C'est écouter ce que l'univers a à vous dire, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne laissez pas votre ego dicter votre vie. L'univers est en contact direct avec votre moi supérieur, avec votre guide. Et c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux pour vous que l'univers va vous proposer. Mais pour vous, pour votre moi profond, pour votre source de vie. Et pas pour nourrir un ego ou alors un mental. D'accord ? Et enfin, sur la quatrième et dernière semaine de janvier, on va avoir encore un important travail de guérison. Donc le travail qui a commencé, guérison énergétique, hein, c'est ce qui était présent en première semaine de janvier, il va être confirmé. Sur la quatrième semaine, dernière semaine de janvier, alors qu'on s'apprête à entrer dans l'énergie du Verseau.
et voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. On va vous demander vraiment de lâcher prise. Vous allez devoir lâcher le contrôle. Vous allez devoir lâcher une grande partie du contrôle que vous cherchez à exercer sur votre vie. Et on vous demande d'écrire également. Donc ça, c'est pour, par exemple, les Verseaux qui sont en recherche d'emploi. La dernière semaine de janvier va être une semaine très importante. Donc il faudra chercher vraiment du conseil, peut-être un conseil d'ordre spirituel, pour réussir à vous recalibrer. Et si jamais vous n'arrivez pas à interpréter les messages de l'univers, pour réussir à vous recalibrer et à vous remettre dans la bonne direction. Donc ça va vraiment être un mois avec énormément de hauts et de bas. Amis Verseaux et ascendant Verseaux, les énergies vont être difficiles à assimiler, difficiles à encaisser. Vous allez vous sentir poussé dans vos retranchements, vous allez avoir des moments de grande solitude, des moments où vous allez être totalement perdu. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que c'est pour mieux préparer la suite de l'année et que si vous le prenez avec courage, avec force, avec détermination, avec espoir et avec foi, eh bien, la suite du mois, la suite de l'année ne sera que meilleure. N'hésitez pas à me joindre par email si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation privée à satyavoyance@gmail.com. À bientôt.